Alors, tu vas avouer? Hein? Tu vas cracher le morceau là? Tu vas me le dire? Parce que ça fait 2 heures là qu'on tourne autour du pot. Hein. T'as pas eu de nourriture, t'as pas eu de boisson, t'as rien eu. Ça peut durer encore très longtemps, ça, si tu veux. Donc tu vas me dire pourquoi. Je veux comprendre. I want to know. Fais pas l'extraterrestre qui ne comprend pas, quoi. Tu n'es pas crédible. Oui, parce que. Bon, d'accord. N'empêche, un jour, je saurai pourquoi les jeux qui commencent par Space sont tous des jeux 80s essentiellement mauvais, à quelques exceptions près. Oh, salut à toi, ami visiteur. Oui, tu es bien sur le stream de The Big Gamowski. J'essaie d'élucider des mystères mystérieux, puisque je ne veux pas que le bullshit et les fake infos pourrissent le domaine si noble de la boulette. Et donc aujourd'hui, on va retourner dans nos archives du shmup pour explorer un titre des années 80, même pas 79, qui, ma foi, me semblait pas mal inspiré. Je vous laisse regarder les images si elles s'affichent. On ne sait jamais. Elles sont assez explicites. Ah non, c'est le mauvais jeu, ça, monsieur. C'est le jeu que t'as lancé juste avant. Ça compte comme fail? Ok. Et du coup, là, ça s'affiche plus normalement. Si? Peut-être, va falloir que je meuble. Ok, je vais meubler. Tu me passes une guitare? Elle descend. Non, mais j'ai l'habitude, maintenant je peux improviser absolument n'importe quoi. Je peux vous faire du Dream Theater si vous voulez aussi. C'est bien foutu, hein. Ça ne nous fait pas avancer sur ma capture qui ne veut toujours pas venir et qui me met un petit peu les balls. C'est sympa de meubler, mais honnêtement, je m'en passerai. Et vous aussi, je présume. Space Intruder, deuxième. Great success. Great success, my friend. Ok. Bon, bah, on va tout redémarrer, hein, comme au bon vieux temps. Au revoir, je redémarre. Bonjour, je repars. Et là, cette fois, c'est Space Intruder. Ah, mais des fois, j'ai le doute quand même. Et regarde-moi le coquin. Mais il joue avec le tableau. Et pourquoi je prends un accent con? Salut à vous, les amis de Montpellier. Hein. Et d'une, c'est pas un accent con. Hein. Et puis, de deux, je cache, je dissimule habilement ma joie de trouver une version complètement originale de Space Invader. Voilà. Donc, 5 minutes de Space Intruder, qui n'est autre qu'un Space Invader, il faut pas que je spoil. Merde, c'est fait. Oh là 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 là, ça va pas très bien se passer, je pense. Alors, vu que nous avons la chance de ne pas avoir les bruitages, pour que ce stream vous soit aussi agréable qu'à moi, je vais faire moi-même les bruitages. Pan, pan. Pan, 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 pan. Oui, je vous ai eu. Et il faut un peu de la variété parce que le but, c'est pas d'endormir ou d'hypnotiser les gens. C'est toujours difficile de dire quelque chose sur un jeu qui est une copie d'eux et qu'on a déjà parcouru, qu'on a déjà montré, que tout le monde connaît. Et d'essayer de trouver des arguments, pas forcément bien, mais au moins médiocres. Pour dire, c'est chouette qu'il existait. Parce que ça, c'est la phrase que je ne dirai pas aujourd'hui, je crois. Non. Même un chèque. Non, 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 ça marchera pas. C'est un Space Invader bis, quoi. Bon, il y a de la couleur, ok. Mais pom 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 pom. Pom 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 pom. J'invente du fun pour ce jeu parce que je veux mourir là. Je veux juste mourir. Et ils se foutent de ma gueule en plus. Piou. Ouf. Je regarde d'un air désespéré mon chrono qui marque 4 minutes 38. Ça veut dire que je suis bientôt libéré de ce calvaire, et vous aussi. En fait, vous n'êtes pas obligé de regarder ce stream en entier, hein, mais bon. Des fois, à la fin, il peut y avoir une surprise. Comme, je sais pas, une Ferrari a gagné. Alors, on l'a déjà fait la semaine dernière, ça.
un billet d'avion pour une destination paradisiaque. Bref, tout ce qu'un gars au RSA peut vous offrir, quoi. Donc voilà. On a fait le tour de ce Space Intruder là. Je peux mourir, j'ai mes 5 minutes. Je regarde désespérément la régie. Et je me jette pile sous un tir à 5 minutes 15, c'est magnifique. Et il me reste combien de vaisseaux là, les gars? Oula, ça va être chiant. Faudrait que j'essaie de jouer ou très bien ou comme une burne, histoire d'abréger nos souffrances mutuelles et que vous puissiez passer à la partie concours de ce jeu. Alors je vais spoiler. Aujourd'hui, il y a une boîte d'allumettes à gagner. Avec des allumettes toutes utilisées dedans. Et oui, c'est ça la grandeur, The Big Game of Ski. Les moyens, tant techniques que niveau entertainment, quoi. Et voilà. Je veux mourir. Non, mais c'est pas une blague, je veux vraiment mourir là. Ouais, rapprochez-vous plus. Foncez-moi dedans, les gars. Yes. Maintenant, faut que je vise les tirs, en fait. Ça va être le plus dur. Yes. Non, j'en avais plus là. Yes. Oh, attends que je me mette dessous. Voilà, Space Intruder, un magnifique titre que nous allons immédiatement immoler. Non, vous n'avez pas encore gagné la boîte d'allumettes vide. Qu'on va immédiatement jeter par la fenêtre. Hein, c'est même pas la peine de le monter au grenier dans la malle archive. Puisque Space Intruder existait déjà avant et il s'appelait Space Invader. Donc il nous emmerde allègrement. Je vous laisse avec les deux streams. Comment ça, j'ai oublié le concours? Oui, pas le temps, j'ai paumé la liste. La playlist généraliste, la playlist des shmups. Je noie le poisson comme je peux avec ce troisième stream. Tiens, à demain, 19h, ciao. Non, je ne suis pas vexé. Non, 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 non. Loin de là. Ce jeu était formidable. Boule-moi ça. Non, dans de l'acide. Mets-le dans de l'acide.